Voilà, vous allez belé, vous allez colanda, sorte mouton TV, vous allez bien nous politique. On a bien ni, on a un cadre politique, vous allez couler dans l'ensemble provincial à Kinshasa. Ben lui, professeur à Kinshasa, ben ça va là qui coule dans l'hémicycle. Pour encore discuter, pour encore voter, quand les gens vont venir, on a vu que vous allez très mouvementé, 9 fois. Vous allez qui est inscrit à l'ordre du jour. D'abord, honorable, Peter Okazadi, qui est Eddy Asika. Vous allez Eddy. Portant liberté religieuse. Je vais encadrer l'église, mon prolifération de l'église, je vais dire que ma tapage dure, ma tapage nocturne, je vais réglementer un peu l'église, et puis je vais faire mon église, mais c'est vraiment qu'on a venu, mais on a venu, 7, 8, 9, et créer des autres de ma case. Mais pour l'aider, pour dit, oh, il y a honorable Peter Okazadi, ils avaient vraiment trop sensible, sur ce rang qui est pour, mais il y a un manuel, vraiment, malam, dans l'Italie, Diwana, pour dire que les alliés religion, les alliés qui ont la chrétienté, pour les musulmans, pour les abattus, pour les abattus, pour les encadrés. Je me rappelle que quand l'Italie, dans quel rapport, il y a commission PAJ et COFI, donc commission mixte PAJ et COFI, dans l'Assemblée provinciale, pour les abattus, qui est dit, il y a honorable Marvoir Kabembo. Pour nous, nous avons été alloués la recette agricole. Nous avons été alloués à la recette agricole. Nous avons été alloués à la recette agricole. Nous avons été alloués à la recette faire fonctionner l'agricole. Et puis après, lecture, il y a différents articles qui nous disent que la plénière est souveraine. Mais quand on vote et puis on a approuvé en haut, on a appelé l'intervention, interview à l'honorable Madougouard Oyazali Kabemba, Oyazali auteur, il y a Eddy portant fonds alloués dans le secteur agricole, on a dit professeur Kinshasa. Mais bien sûr, quand on a toujours la commission Ecofin, on a présenté un rapport, on a dit Makambuyabis a transcrit. Papa pas il banyer banyer banyengeni ni sur le côté de la biswana. Le papa que transcrit les alli bismon corps les alli société privée par rapport à y a marché gré à gré par rapport aux alli qui y a rapporteur il a organe délibérant pour croire que le ministère des transports propose pour la communication. A un rapport moralité dans la dite, il y a société, il y a transcrit. Et puis, il y a un rapport. Bakiwana misuna biso botozali misuna bino nokona bino matoi na bino kona ko pesa bino information bana photo bozali awa na RDC te me ngai na eko relayer bino information oyo po awa tozali ba source frais et vérifiable bana ko se nom sala kito ko 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 sabone te bezaka radio te bola na image oyo na boke et particulièrement les bureaux pour l'occasion m'offerte ces jours d'exposer l'économie générale de mon initiative législative inscrite parmi les matières retenues à l'ordre du jour de la présente plénière. Il s'agit bien entendu de la proposition d'édite portant disposition particulière en matière d'encadrement de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. En effet, il importe de souligner que la République démocratique du Congo est un État laïque, dont les droits d'exercice des libertés publiques, des libertés religieuses, est garanti par l'article 22 de la Constitution. Tel que garanti par la Constitution, il y a lieu de retenir et d'affirmer l'exercice des libertés religieuses en République démocratique du Congo est subordonné au respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. En rapport avec l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa,
Nul n'ignore que nos populations continuent de dénoncer et déplorer que les pouvoirs publics aient laissé plusieurs hommes de Dieu, ainsi que leurs associations religieuses respectives, évoluent dans l'exercice de leurs activités en tout libertinage religieux et en violation des règles de bonne moralité et de tranquillité publique. Tenez, certaines associations religieuses ont un fondement irréligieux basé sur la défense des intérêts tribalo-politiques. D'autres faussent la sainte doctrine personnelle des biens et finances de l'Église par certains hommes de Dieu au détriment de la communauté. Honorable Président, honorable député, chers collègues, face au tableau sombre que je viens de peindre si haut, il m'est apparu nécessaire d'initier la présente proposition d'édite sous examen. Pour ce faire, la philosophie de cette proposition d'édite consiste à, premier tiré, faire de l'Église un acteur au service du développement, de la cohésion et de la paix sociale. Deuxième tiré, instituer le conseil provincial de contrôle et d'autorégulation des activités des églises en matière d'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa, CPCAE ainsi que l'organisation des réunions politiques à Vizy. 6. Deuxième, je le demande puisque ça me concerne personnellement, étant donné compte tenu de l'abondance de la matière à l'ordre du jour, Monsieur le Président, et que je vais me déplacer. Modifier l'appellation d'une commission sans que l'article de la réponse soit évoqué. Merci. Merci. La commission. Nous allons bien entendu instituer une commission ad hoc qui sera chargé de revoir justement notre environnement intérieur pour essayer de répondre à la problématique qui venait d'être soulevée par le président de la République. Ils étaient d'ailleurs la fourrure et très respectueusement. Merci beaucoup, la République. Comme ils m'ont été adhérés, j'ai le même appareil. Le ministre provincial en charge de transport à titre de l'information sur le contrôle de l'actionnariat de la ville de Kinshasa dans la société New Transkin, ainsi que les causes justifiant l'arrêt définitif des services de transport en commun fournis par cette société. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, premier point, l'introduction, considération générale, point 1.1. Le présent rapport rend compte des travaux de la commission économique et financière sur l'audition parlementaire du ministre provincial en charge des transports et voies de communication de la ville de Kinshasa. Cette audition parlementaire a eu lieu à titre d'information de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conformément aux dispositions de l'article 204 du règlement intérieur de notre institution. Ainsi, elle a porté essentiellement sur les différentes préoccupations soulevées au point 2, ainsi que les causes justifiant l'arrêt définitif des services de transport en commun fournis par cette société. Et de cette audition a concerné essentiellement les préoccupations en rapport avec
la cessation inexpliquée et injustifiée des activités de la société New Transkin, laquelle société a été créée par la ville de Kinshasa en partenariat public-privé avec des sujets privés de nationalité étrangère. Les éclaircissements du ministre en charge des transports à ses préoccupations et les différentes suggestions de la commission quant à C sont consignées dans les rapports qui vous seront mis tantôt par les rapporteurs. En même temps, je voudrais relever toute la sensibilité de la proposition d'Edith pour dire que, Monsieur le Président de cette Assemblée, il serait de bon la loi de bien vouloir nous accorder du temps. Interprétation stricte du règlement intérieur. Par rapport à la suggestion de l'honorable Peter Casadi, il sollicite que le texte soit envoyé pratiquement sans débat en commission. Le règlement de 6. Audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur la situation de la société New Transkin. 7. Audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur l'octroi et l'utilisation des plaques AKN de la ville de Kinshasa. 2. Audition et approbation du procès verbal numéro 01 de la séance plénière du vendredi 30 octobre 2022. Après lecture par l'honorable rapporteur adjoint, le dit procès verbal est adopté tel quel par l'Assemblée plénière. 3. Examen et adoption du projet de calendrier des travaux. Pour protéger la liberté, il y a qui. Et l'ingé pour le que et dit les eaux et un à propos de la hausse à qui va droit à qui à ma église à l'auto et à ma vie. Vous allez pour ça la dengue était au cas tout encadré et du matin dengue ça pour ça la malino quand on bat pas ça pour se plaindre on gagne à lui à Kinshasa la fin de la Kinshasa n'a pas dit chrétien. Mais au moment là, beaucoup mobimba, maquillé dans mon pantalon d'acoumayo là la première zate. Alors que ceux-ci ont parfois beaucoup, à ça depuis un examen, à ça depuis un musala, mais n'a beaucoup à l'alité du courant maquillé d'ailleurs. Et dit Nabiso, ils allaient pour prévoir un mécanisme pour la protéger ça, cette liberté là. Donc ils allaient pour encadrer, exercer sa liberté de culte. Vous allez pour longo la liberté de casi. Vous allez pour encadrer. Voilà, il y a Titi Nabiso pour présenter les lots. Nabiso, il y a beaucoup de lots. On a l'opportunité à Pessibiso les lots pour se réunir au niveau de la plénière et l'assemblée provinciale. On a tout examiné. Proposition d'Edi. On a initié qui Edi pour recréer fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Na féliciter et na remercier ma collègue Nanganyo Sor, ma députée provinciale, pour ma 8 ans, Yako Bongisa Kotanga, texte wana pe pour Bongisa Ango, pour enrichir Ango, et les lots va voter Ango. Texte wana, comme ils ont voté, et aucun des pas à gouverneur et à ville pour Atta Mokoloto à promulguer Ango. Et que le début pour l'exercice budgétaire pour le janvier 2023, il y a 4 budget, il y a un crédit pour que le fonds WANA soit un moyen pour fonctionner. Le fonds WANA est pour aider le tout et Bilanga, la ville de Kinshasa. Tout l'ingité est concerné par l'exploitation industrielle. Ils sont concernés par exploitation familiale, na ba exploitation de valoba de type familial, c'est-à-dire au amiqué, ma maman la biso bazan la bilanga, na ma maraîchère, ma maman bazan au salandunda, bazan au salamoa losso, ba misala nyo se toi même ba au salamoa élevage na bango, ba soit
misolo ville va nous pesa bango aye na moi projet na ya lugo ngai na inga sala bilanga boye mina zangi Congo na zangi eloko boye na zangi basemence na zangi boye ville au pesa e ba moyen a sali bilanga bilanga wana olesa biso pour permettre pe na sima aye ba kuzonga sango mke mke pour ne permettre ba pesa pe moyinga musu. Voilà, vous comprendre qu'on assemblée provinciale, bah, c'est comme ça, c'est là qui toque. On a dit qu'on rappelait bien que les allées assemblées provinciales, il y a un oyo, des ésos à la moussala qui toque, parce que les assemblées provinciales, ils votent que les édits, ils sont applicables. Le mot là qui est dit, mon coin, c'est là que le lot, vous remarquez, vous avez un gamin qui tient ça, c'est bien que Baba, maman, Baba Kangarango, de Bafou la robe à 17h, vous allez dire, on va compter qu'on est toujours dans l'assemblée provinciale. Bah, mon mot est allé, liberté à religion. Ma culte pour le concadrer, les amis sérieux, bon, mon âge, vous connaissez, vous avez existé. Mais quand on va réglementer, caca, on va encadrer l'église. Ma monique, on va l'église, et comme je dis, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais prier, je vais avancer pour la paix et de ranger. Donc, c'est un peu ça. Mais là, je suis encore honorable. Plus tard, quand ça dit, allez, dans mon assemblée, ça est dit, encore honorable, plus tard, quand ça dit, on assemblée provinciale, je vais analyser à mon malin, malin. Mais tout, un président, Godefroy, honorable président, Godefroy, Merci beaucoup aux Akebele à Kolanda, magazine à Binoto, émission à Bino, Olobini, Nongaï Brave, Bakando, à l'infrastructure de la Zaki, la sentiment pèse sur ma casse. Donc, présentez à moi le lot pour la Bino, la chaîne à Bino, pour continuer à s'abonner massivement, la sorte Mouton TV, Oyo Awa, qui va toujours la vérité, Aris, la Zaki, la Sima, la caméra, parce que la pèse à Mbote, la Bananga, Oba Zalaki, on a toujours pour la commande, la Nengem, vous savez, Kosala, ma qui toque, on va se payer, ma casse, pour la vie à venir, qui pite. Bachi Beton, assez de bango, macadam, mais qui toque, on va dire que c'est la Ndak Awa, pour se cater, mais ils allaient vérité, que la Ndak Awa, ou Mati, ma casse, le dit, Awa, il y a un peu de sécurité, mais qui bachi par macadam, vous avez un outil d'un bouton, ou peut-être un mot, j'ai un peu de chaleur pour nous parler. Donc, on a un programme, il y a 100 jours, il y a 2 enclavements, il y a, c'est là, on a un peu de ce qui est venu, oh, ils allaient toujours revenir à Kala, dans la projet, il y a un bout de la deuxième république, on a le fait, maintenant, au bout du. Mais de l'eau, grâce à M. Béton, à matérialiser à l'eau. Voilà, nous, pour vous, 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 pour vous,